Ok, tous les clients sont partis, c'est la coupure, le resto est tout à moi, c'est l'heure du vlog, je vous amène avec moi. Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui on va parler de recrutement et j'ai à côté de moi un invité, c'est Thomas Campocasso, le fondateur de Recrute Minute. Alors je sais que le titre dit tout, mais moi quand il m'a contacté par mail, je me suis dit bon ça y est j'ai tout compris, j'ai pas besoin de lui poser de questions. Et je me suis quand même inscrit sur son site, j'ai bien décortiqué son offre, j'ai trouvé que c'était assez pertinent, très fluide et très adapté aux restaurateurs actuels. Je l'ai fait venir aujourd'hui pour qu'il nous explique rien de mieux que toi pour nous expliquer le fonctionnement du système. Est-ce que tu pourrais nous pitcher en moins d'une minute ce qu'est Recrute Minute? Ok, donc Recrute Minute, c'est donc une plateforme de recrutement exclusivement dans le milieu de la restauration. On met en relation les candidats et les restaurateurs. On est parti du concept que c'était le restaurateur qui devait effectuer ses recherches de recrutement. Sauf qu'à la distinction des sites traditionnels où il va déposer une annonce et ensuite les candidats vont postuler, là le restaurateur indique un certain nombre de critères. Les candidats vont remonter uniquement ceux qui correspondent à ces critères-là. Le restaurateur leur fait une proposition d'entretien. Ensuite le candidat reçoit cette proposition d'entretien, ensuite à lui de l'accepter ou de la refuser. S'il accepte, les coordonnées lui sont envoyées au recruteur et le recruteur n'a plus qu'à l'appeler pour effectuer un entretien physique avec lui. En plus de ça, on a nous en interne une équipe de RH qui, si le restaurateur n'a pas le temps d'effectuer son recrutement, peut prendre en charge le recrutement pour le compte du restaurateur. Et dans ces cas-là, on organise donc du sourcing de CV jusqu'à la prise de rendez-vous final entre le restaurateur et notre candidat. D'accord, donc c'est plus qu'une plateforme de recrutement, c'est aussi très humanisé derrière et très personnalisé. Voilà, exactement, oui, tout à fait. En fait, au début, on avait fait uniquement un site internet. Et on s'est rendu compte que, si vous voulez, on parle souvent de l'ubérisation de ce genre de système, et en fait, ça fonctionnait pas, parce qu'on parle de recrutement d'humains, et donc il fallait mettre un peu d'humain là-dedans, et donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place une équipe de RH en interne, qui permet justement de faire le lien entre les demandes des restaurateurs et nos candidats. On a, dans le monde de la restauration, des candidats qui sont extrêmement volatiles, qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin du process de recrutement. Et c'est pour ça qu'on a donc du coup, nous, instauré chez Recrute Minute du personnel qui s'occupe exclusivement de faire des recherches de personnel pour nos recruteurs. Tout à l'heure, tu me disais hors caméra un truc qui est très intéressant, c'est que si tu vérifiais, enfin ton équipe vérifiait si le candidat se présentait vraiment chez le recruteur et que tu lui rappelais même s'il allait se présenter. C'est un travail de fou de faire ça, non ? C'est un travail de fou parce que on travaille avec plus de 300 établissements parisiens. Alors heureusement, ils ne font pas tous des demandes en même temps. Mais en effet, en fait, on s'est rendu compte que même si on prenait des rendez-vous pour le compte des restaurateurs, qu'on faisait des entretiens avec nos candidats, qu'on connaît bien nos candidats, ils sont sollicités de toutes parts. Et donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment les suivre à la trace du début jusqu'à la fin. Donc en effet, avant un entretien entre un restaurateur et un de nos candidats, nous, l'équipe de Recrute Minute va le relancer et lui indiquer, voilà, à telle heure, vous avez rendez-vous dans tel établissement, est-ce que vous y allez bien? Évidemment, s'il y va, bon, bah, très bien. S'il y va pas, ce qui peut arriver pour X ou Y raison, dans ces cas-là, on prévient le restaurateur, ce qui est toujours plus agréable pour le restaurateur de savoir que son rendez-vous ne vient pas. Donc, il y a vraiment un gage de qualité dans cette offre, parce que tout le monde a bien saisi ce que tu viens de dire, c'était assez clair. J'ai lu sur ton site, quand tu fais qui sommes-nous, en fait. Oui. Tu parles de plateforme de recrutement en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En temps réel, ça veut dire qu'en gros, le restaurateur, lorsqu'il fait sa recherche, instantanément, lorsqu'il va proposer un entretien avec un candidat, le candidat va recevoir instantanément, à partir du moment où il a cliqué sur le profil du candidat, il va recevoir instantanément une proposition d'entretien. Donc, du coup, si en effet le candidat est véritablement réactif, en instantané, si tu veux, le matching peut être effectué et en 5 minutes, tu peux avoir déjà ton entretien avec ton candidat que tu souhaites recruter. D'accord. C'est ce que nous, on appelle le temps réel. Ok. On va parler de la question qui fâche. Un service de qualité comme ça, à mon avis, ça a un prix. Tout à fait. Ça a un prix. Alors, on a voulu faire une formule qui est extrêmement simple. On a fait un forfait qui va de 1 mois à 12 mois.
en fonction de tes besoins de recrutement, si tu sais que tu as un établissement où tous les mois tu as des besoins de recruter, dans ces cas-là, autant prendre le forfait de 12 mois qui est de l'ordre de 580 euros. Un forfait d'un mois est de l'ordre de 130 euros. Et pendant ce forfait, tu peux effectuer autant de recrutements que tu le souhaites, aussi bien sur du personnel de salle que sur du personnel de cuisine, aussi bien pour de l'extra que pour du CDI. Et on ne prend pas de commission au recrutement ou quoi que ce soit. On s'arrête. Pourquoi un mois ? Parce que un mois, si tu veux, on sait bien que lorsque tu vas faire un recrutement, il se peut souvent qu'on juge véritablement le candidat à l'essai. Donc tu vas faire un essai d'une semaine, au début ça peut très bien fonctionner avec ton candidat, et puis au bout d'une semaine tu sens que finalement il n'est pas véritablement intéressé par ton projet, ou toi tu sens que ça se passe pas si bien, le feeling passe pas trop, ça matche pas, donc du coup bah, tu vas vouloir recommencer avec un autre candidat. Donc du coup si tu veux, c'est très compliqué de faire un abonnement juste pour un recrutement, un abonnement d'un recrutement. En fait, ça serait une annonce en fait. Voilà, ce serait une annonce et on sait très bien que ça fonctionne pas, le système d'annonce fonctionne pas. Donc c'est un abonnement d'un mois, en plus quand t'as un besoin, nous les trois quarts des restaurateurs qui nous appellent pour un abonnement d'un mois ont généralement un besoin, sauf que 80% de ces restaurateurs nous rappellent au bout de 15 jours en disant bah finalement ça a bien fonctionné là pour votre profil de serveur, bah mon barman là je suis pas si content de lui, si vous avez un profil de barman sympa envoyez-le moi. Donc tu vois, ça permet aussi pendant un mois de pouvoir faire d'autres demandes sur d'autres types de profils. Donc merci Thomas d'être venu présenter ton offre. Pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Je vais vous laisser aussi tous les liens et les coordonnées de Recrute Minute dans la description. Voilà, pour ceux qui souhaitent voir plus de vidéos aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Un petit pouce bleu si vous êtes sur Facebook. Et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao! Ciao!